Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica, chers amis. Alors nous allons chercher des Vrex dans cette direction. Je veux chercher des Vrex dans cette direction, pourquoi ? Je pensais pouvoir partir donc directement dans ce qui nous intéressait, c'est-à-dire dans le nouveau pod, à aller analyser, enfin aller vérifier en tout cas. Mais j'ai besoin, vous savez que j'ai plus beaucoup de batterie haute capacité, et j'aimerais en avoir une. Et donc pour ça, alors, on m'a dit de fouiller dans le coin, j'ai demandé à quelqu'un sur Steam, qui m'a dit de fouiller par là, et apparemment ce serait ce que je cherche. Palme ultra glissante. Ok, cool. Dis, tu regardes tout ce qui est vaisseau et trucs comme ça dans le coin. Il m'a dit c'est très très bien d'ailleurs que j'ai fait ma position de base ici à ce sujet là, puisque ce sont des endroits assez labyrinthiques, il m'a dit. Et je ne peux que être d'accord. Alors, apparemment là-dedans, il y a un vaisseau, un bout de vaisseau, ou un pod. Second, mais je pense pas qu'il y a un autre. Wow, t'es joli toi. Wow. Envoûteur, c'est joli. C'est très joli, j'aime beaucoup. Là je suis encore arrivé à l'extrémité. Évite de trop monter, Marcus, parce que tu peux taper dans... Tu peux te taper le haut de la tête sur une de ces saloperies. C'est pas des bouts de moteur de... Non ! Non ! Centrale thermique. Non, je crois que je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Merde, j'y ai cru. J'y ai cru, chers amis. Honnêtement, j'y ai vraiment cru, là, pour le coup. Ok. Ça c'est de la coque, non? Coque de Cyclops. Ça c'est quoi? Pont de Cyclops, je l'ai aussi. Y a pas un troisième bout? Non? Radin! Merde, c'est con. Et donc oui, du coup il me faut de quoi charger mes batteries. Là, clairement c'est... Ça va être une nécessité, pour le coup. Pont de Cyclope, dommage. Dommage, dommage. Nous, je rappelle qu'il faut un bout du moteur. Hein. Encore un bout du pont. Réacteur thermique. Alors, m'avait expliqué où est-ce qu'il faut que j'utilise le réacteur thermique, chers amis, je vous en remercie. Cependant, la base n'est pas du tout là où il faut pour ça. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord pour me le dire. Pour la blague. Non, non, tu t'es planté pour l'utilisation de ces trucs-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas gravissime. De toute façon, apparemment, maintenant, il y a un système pour renvoyer de l'énergie d'un point A à un point B, donc... J'imagine que c'est un système qui coûte extrêmement cher à produire. Alors ça lag à mort. Hein. Voilà, merci. Alors je dois quand même vous prévenir que le jeu est sur le SSD. Hein. Ça se voit pas. Hein. Oh la vache. Ah, c'est mortel dans le coin. Hein. C'est. Oh putain, je vois un truc là-bas. Non? Dans ma tête? Oh c'est... Ah oui, c'est pas terrible par là. Hein. Aïe, ah bah oui, mais là je pouvais pas voir. Hein. Franchement, je pensais pas que ça casserait, honnêtement. Est-ce que je peux m'en sortir ou pas? C'est mieux. On n'a pas trouvé le bout de vaisseau, cela dit. Qui est supposé être présent dans le coin. Ah la vache! C'est de pire en pire!
Alors je crois qu'il y a un problème avec ça d'ailleurs. Il y a quelque chose avec ça. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je dois avoir un fichier qui doit pas être bon. J'avais entendu parler de ça aussi. La vache, c'est joli dans le coin. Wow! Je t'aime pas! Je peux te le dire tout de suite. Je t'aime pas. Non, non! Casse-toi! Non, non, casse-toi, ça vaut mieux! Aïe! Apparemment, si je reste en haut, ça passe. Si je reste haut, ça passe. Joli dans le coin, cela dit. Hein. Et je trouve pas du tout de vaisseau. Hein. J'espère que c'est pas des quoi que vous m'avez dit, enfin de la saloperie. Bon, simplement que j'ai pas les yeux assez ouverts. Hein. Ou alors elle... J'allais le dire. Ou alors elle est restée coincée quelque part. Ah, mais qu'est-ce que je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con. Bon, on y va. Allez, hop. Yo les filles. Tu vois bien? Ça va bien ou bien? Alors. D'accord. Tu veux bien Voilà. Aura scanner room voice log, d'accord. Numérisation inutile. Bon, je doute qu'il y ait quoi que ce soit d'inutile dans le coin. Si ? Y'avait rien dedans ? Vous êtes sérieux, le mec ? Oh la tristesse ! Après, ça arrive à tout le monde de se planter, de me dire un endroit où y a rien. Mais ouais, je remonte. Ou alors c'est que je suis pas dans la bonne entrée, peut-être. C'est possible aussi, cela dit. Vérifions. Faudra que je vois au sol aussi de ce truc. Au pied, voir s'il n'y a pas des choses. Nouveau message. Je suis un peu occupé là pour le coup. Et j'ai pas visité le truc précédent. Oh! Petit truc jaune là-bas. Non? Non, non, débile. T'es débile, Marcus. Tu vois des choses là, il y en a pas. Une porte là par contre. Ça, tu l'avais pas vu juste avant. C'est marrant, tout indique qu'il y aurait normalement quelque chose dans le coin, mais en fait, non. Mais en fait, non, c'est... Ah putain, il y a encore un là-bas en face. J'ai plus de pile ou quoi? J'ai l'impression qu'il est tout lent le truc. Non. Wouah! J'ai l'impression de m'être fait niquer! Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et je vais redemander à la personne parce que j'ai trouvé un truc et apparemment c'est pas dedans. A tout de suite. Heureux, chers amis. Donc apparemment ce serait pas celui-là et il m'a dit d'aller fouiller au nord de cette zone. Mais il m'a dit qu'il m'en dirait pas plus. Si je trouve pas, c'est que soit je me suis mis au mauvais endroit, soit. Bah, de toute façon, je peux pas être plus au nord finalement. Que attendez. Ouest. Nord. Est-ce que ça serait de l'autre côté de ce truc là? C'est possible aussi. Je trouve ça c'est une vous savez comme un coup de griffe si je puis dire. Il y a du vert, ça m'étonne. Enfin, j'ai pas l'impression d'être au bon endroit quand même. Hein. Si je puis me permettre. Ah c'est la lune, d'accord. Ah non, j'ai pas l'impression d'être au bon endroit. Je trouve que je suis pas sur la bonne... What? Pourquoi vous êtes si nombreux ici, vous?
Ah, salut les mecs. Bon, c'est pas ça que je cherche. What? Ah! Oh, les îles flottantes! Oh putain, il y a de la. On est d'accord, hein? C'est quoi cette. C'est une bulle d'air, putain. C'est quoi ça? C'est complètement crade, à vrai dire. Huile de sang. Je sais pas ce que c'est. Wow! Il y a de drôles de bestioles dans le coin, j'aime pas ça. Le problème, c'est que je sais plus du tout pourquoi je devais être par là. Bon, on va regarder s'il n'y a pas un truc en dessous. On m'avait dit au nord, mais je pense qu'il m'aurait pas, il m'aurait dit que c'était dans ce biome-là. Oh, t'es moche, toi. 250 mètres, je suis désolé, hein. Quand je descends comme ça, je, je monte. Ah, j'ai rien dit, mais peut-être planté. Bon, par contre, c'est pas du tout là que j'avais en... Wow! On va longer le bord, hein. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être au bon endroit et ça m'énerve. Non, je vais rentrer à la base. Je vais rentrer à la base parce que j'ai plus que 19% d'énergie. Et il faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse des piles ou faut que je sais pas. Faut que je fasse quelque chose, d'autre, chers amis, là. Je suis coincé. Il m'a pas dit d'autre chose, non. Non. Bon. Bon, 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 bon. Encore une histoire à la con, ça. Oh, putain. Bon, ah non, ce sera pas ça. Ce sera pas ça. Si. Putain, il y a un truc là-dedans. Si, c'est un Seaglide. Marcus. Il y a une porte. Il y a une porte, il y a une porte, il y a une porte. Il y a une porte fermée en plus. Ah, 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 ah. Aurais-je trouvé le bon truc? Ouvre-toi. Il y a deux portes fermées. Ouais. Merci le jeu. Ça c'est un bout de Simos, ok. Énergie, ça va être un peu short hein, par contre. Pardon, oxygène, ça va être un peu short. Et aussi d'ailleurs. Je fais cette porte-là et je rentre. Ouais, je regarde juste s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin ou pas. Putain, il y a encore un. Non, non, il n'y a rien d'autre. Rien d'intéressant. Le Simos, il est où? Vite, 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 vite. Ouais, je suis dessus. Crac, c'est bon. Donc c'était pas ça non plus. À moins que si c'est autour. Apparemment non. Bah, je mange des poils. Je ne le trouve pas. La base, la base, la base, la base, la base, près de l'abysse. Ici, là-bas. Ok. Ok, ok. C'est bien là que j'étais, parce que j'ai l'impression d'être parti en fait vachement plus loin que ce que j'aurais dû. Attendez, on fait quand même une petite dernière recherche, chers amis. On va bien voir. Là, on part bien au nord, et donc là, non, au nord, il y a ça. Ça continue par là, cela dit, regardez. Wow. Putain, ça lag à mort dans cette région, quoi. Ça continue par là. Ah ah! Il y a la musarène. Enfin non, c'est même pas une... je sais même pas ce que c'est que ce truc. J'ai pas regardé au pied en plus du... Allons voir. Casse-toi, t'es moche. Oh putain, vous êtes nombreux en plus, eh. Je peux pas partir plus au nord de cet endroit-là, en fait, là, pour le coup. Oh putain, les pieds... Ah, l'eau! Marcus, tu fais de la merde!
L'eau et l'énergie, regardez l'énergie, c'est triste. Ah, je veux pas laisser le Simos derrière. L'eau, j'en étais sur moi. Non! Génial! Génial, génial. Donc il faut que je chasse du... Oh putain, mais ce truc d'ailleurs. Comment j'ai pu le louper, quoi? Oh! Oh la gueule. Allez, 10% et 11%. On y est presque. On y est presque. Ça m'inquiète, mais on y est presque. Je pense que je vais aller chercher. Oui. Mais oui. Je suis au courant. Je suis au courant, je suis au courant, je suis au courant. J'aurais dû en prendre un tout à l'heure quand j'en ai vu plein. Parce que là, le temps que je les trouve. Voyez? Est-ce que vous voyez, chers amis? Casse-toi! Il n'y en a pas un. Je prends de la bouffe. Putain, il y en a un là. Merde! Fais pas ta pute! Fais pas ta pute! Je t'ai vu! 3. On va partir sur 3 pour le dé pour commencer. Vraiment que je boive un coup là. Remarque, je pourrais tout aussi bien aussi aller manger 2-3 petits trucs. Ce serait suffisant. Crac. Ok, de ce côté-là, on est bon. Un overfish cuit, ce sera suffisant pour la bouffe. Hop. En termes de bouffe, on va chercher une ou deux patates au passage. Voilà. Là, en termes d'énergie, t'es toujours bon, toi? T'en as perdu deux, j'en prends deux. Crac. Je viens de les manger. C'est souvent comme ça. Hop, ça, je sais pas à quoi ça va me servir. Et ça prend énormément de place. Mais ce n'est pas grave. Droit de la souris pour déplacer. Ok, c'est bon. Crac. Ok. Donc, j'ai obtenu une modification, je pense. Vitesse de natation augmentée. Ah, ça, je vais le faire. Non, non, je vais plutôt le garder pour le reste. Là, les piles sont chargées. Ok. Au niveau des piles, je sais que je peux normalement faire ça. Ça me plaît pas de le faire. Et du caoutchouc en silicone. Je vais en faire, je vais en transformer deux en. Je vais en transformer. Ah merde, c'est pas ce que je voulais. D'accord. Tu parles plus du coup cette fois-ci? Hop! Je vais créer une pile plus importante, tant pis. Pas une batterie. Mais en termes d'outils, j'ai quoi? J'ai pas genre une carte. Bon, je dirais fusil éclairante, constructeur d'habitat, cutter laser. Non, j'ai pas de carte. Équipement peut-être. Boussole, ouais, je l'ai déjà. Bon, ok. Ou alors j'utilise. J'en sais rien. J'ai pas de carte. Est-ce que j'ai une carte, une salle Normalement, il y a une salle particulière pour ça. Je crois pas l'avoir.
clairement je l'ai pas. Ça devrait se passer là-dedans, donc non, je l'ai pas. Ok. C'est une solution à court terme, malheureusement, tout ça, chers amis. Nord-ouest. Eh ben écoutez, on va repartir à l'ouest. Et on va aller voir au pied. S'il veut bien me l'afficher. Oh, il est là. Je pense. Non? C'est pas celui-là? Ah non, c'est celui-là, celui qui a des trous dedans. Oui. Celui que je ne sens pas. Faudra que je mette un fil d'Ariane pour y aller dans celui-là. Remarque, c'est une bonne occasion d'utiliser ce fil. Crac. C'est pas là non plus? Merde, je l'ai paumé! Non, pas encore! Merde! Oh bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Je l'ai plus. Je l'ai paumé. Fais chier. Remarque, si je pars vers le nord, j'aurais retrouvé mon chemin et le retrouver facilement. Bonjour. Alors, où tu es? Je le retrouve pas, c'est la fête. Ah bah le voilà. Ok, donc je voudrais voir au pied ce truc là. Tout bêtement. Putain, c'est juste ça. Honnêtement, si c'est juste ça. Enfin, au pied, oui, ça va peut-être pas être méga utile d'aller chercher au pied. Non, y'a rien. Y'a pas un seul objet au pied. Arrêtez de venir vous suicider dans mon truc, s'il vous plaît. Par contre, faut vraiment que je me sorte de là, parce que ça va laguer à mort, sinon. Et là, c'est la zone creepy. Bon. Eh ben, on va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Mais ça m'emmerde, chers amis, ça m'emmerde. Puisque de toute évidence, je ne trouve pas. Il va falloir que je le répare. Je vais me mettre sur nos hauteurs et je vais le réparer. Pas sur celle-ci. En plus, le LifePod 12, ça se trouve, je l'ai déjà vu. Non, je me suis planté de bouton. Crac. C'est bon. Ça file bien par où ça passe, comme on dit. Crac, on va recouler. Je suis curieux de voir ce que je vais pouvoir y trouver ici. Donc voilà les fameuses îles flottantes. Le problème, c'est que si je vais en profondeur, comme certains d'entre vous me l'ont conseillé, je me retrouve à ne pas pouvoir aller au fond. Là, il y a clairement un trou, mais ça mène à rien. Ok. Alors, sauf si ça se trouve sur un bord, comme ce truc-là, par exemple. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je veux trouver le chargeur de batterie... ah oui, c'est l'île avec le canon. Et on m'avait dit de partir à l'ouest. Et donc là, je pars à l'est, ce qui est complètement opposé. Bonjour. Falloir que je vois pour ces lacs. Normalement, je crois qu'il y a un dossier en fait qui fait chier en fait. Un dossier cache qui se remplit à fond, mais qui continue de se remplir indéfiniment en fait. Et du coup, bah, plus en fait, un fichier cache, en fait, plus c'est énorme, moins c'est efficace.
tout bêtement. Putain, alors attendez, parce que là je vois un autre truc comme ça, et je me dis c'est peut-être ici qu'il faut que je cherche. Pourquoi il y a une ombre parfaitement... D'accord. Par rapport à ce truc là. Je sais pas. Je regarde quand même, hein, sait-on jamais, surtout c'est de celui-là qu'on parlait. Mais apparemment non. Hein. C'est quoi cet endroit? Alors ça, je sais pas ce que c'est que ces plantes là, pour le coup. Wow. Wow, 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 wow. Hello there. Alors ça, clairement, ça m'intéresse, parce que je pense pas y être allé. Celui-là, je ne pense pas y être allé. Regarde bien s'il n'y a pas des bouts d'aurora autour, Marcus. De comment, de cyclope autour. Alors je vois une porte là-bas qui est verrouillée. Je vois aussi des choses là-dedans. Si c'est encore le même truc, ça m'intéresse pas. Je l'ai déjà. Pas l'air d'y avoir que des choses agréables là-dedans. Pas l'air d'y avoir que des choses agréables. Ok. Entrée ici, je fouille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'électricité? L'électricité sans doute. Ok, on y va. Ah putain, j'ai déjà été? Oh merde! Ah, fait chier! Ah, j'ai eu de l'espoir! Putain, je me rappelle pas du tout de ces trucs là par contre. Wow. Putain, y'a de la lave en bas. Ta gueule! C'est la violence! Continuons, continuons. Alors, si c'est pas ça. Alors, apparemment, y'a quelque chose dans le coin. Ok. Y'a encore de la lave dans le coin. Ok, il y a strictement rien ici. Pourquoi je scanne ça? Remonte dans ton truc, Marcus. J'allais dire, il y a quelque chose dans le coin qui est pas gentil, mais effectivement, il y a quelque chose dans le coin qui est pas gentil. Ok, bon. Il y a une jeune femme qui vient de crier aussi là. J'ai envie de repartir au nord. On va repartir au nord, chers amis. Peut-être y trouver quelque chose. Je peux pas encore plonger en eau profonde avec ce truc là. Enfin, pas très 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 profond, on va dire. Je suis quand même à 200 mètres de profondeur. Hein. Donc bon. J'ai l'impression que je peux aller encore plus profond en allant par là. Ça m'emmerde. Dégage. Dégage, dégage, dégage. La terre a changé de couleur ici. What the fuck? Changement de biome. Changement de biome. Ah, message. Vous avez un nouveau message. Ah bah voilà les cheminées, les fameuses cheminées. Tac. J'ai l'impression que vous savez de tourner autour en fait. De tourner bêtement autour de ce que je cherche. Qu'est-ce que tu fous là?
Ah putain. Non, j'allais dire il protège le bout de l'aurora que je cherche. Sans doute. Sans doute, sans doute. Merde, si c'est le cas. Je suis dans ce qu'on appelle une merde noire. Apparemment non, hein. Faire le tour de l'île quand même, sait-on jamais, mais... Ouais, je sais bien, je sais bien. Faudrait que je pense y aller à cet endroit-là, mais avec de la bouffe. J'y vais que pour ça, en fait. Faudra que je le fasse, de toute façon, à un moment ou à un autre, mais... J'ai quand même vraiment l'impression de pas être à l'endroit où il faut, quoi. Et c'est chiant, c'est incroyablement chiant. D'accord, vous visiez juste la queue leu-leu. Ah putain, ça souvent ça indique un vaisseau. Ah non. Et en profondeur, il y a quoi ici? Juste plus de profondeur, ok. Mouais. Bon, tout ça pour faire un petit chemin débile. Eh ben, je sais pas quoi faire, chers amis, je ne sais plus. Avons atteint les limites, putain, de mes connaissances. Ah putain, je suis con. Je le voyais pas. Je le voyais pas. Il y a 5 secondes, je le voyais pas, chers amis. Alors celui-là, c'est clair. Casse-toi. Celui-là, c'est clair, je ne l'ai pas fait. Fusil à stage, je crois que je l'ai déjà. Putain, j'ai tombé en panne d'oxygène, faut vraiment que je vous déboîte. Oh, moteur! Oui! Putain! Mais c'est pas ce que je cherche pour le moment. Oxygène. Faut que je recule. Crac. Ouvre-toi. Et voyez, là, j'ai pas l'impression qu'il l'ouvre. Si c'est bon. Elle reste ouverte. Ok, cool. Ok. Ok. Et forcément, c'est le seul où je vais pas trouver la moindre bouteille d'eau. On a trouvé des dizaines avec des bouteilles d'eau. Et c'est le seul dans lequel je vais pas en trouver. Bon, en tout cas, c'est pas ce que je cherche, encore une fois, malheureusement. Oh, c'était quoi ça? Ah d'accord, non, c'est fermé la porte. Ouais, je suis dessus, t'inquiète. Bon, j'ai trouvé le cyclope. Mon cyclope est complet. Ça, c'est une super nouvelle. Même si pour le moment, c'est pas véritablement ce que je recherche. Alors... Ensuite, le truc est bien plus grand que ce qu'on peut croire. Hein. Ah non, même pas. J'ai cru qu'on pouvait passer par là, qu'il fallait qu'on remonte et qu'on perde un temps fou déjà. Regardons s'il n'y a pas une bouteille d'eau dans le coin. Oh, c'est bien, bien planqué ça.
crois que l'animation vient de me sauver la vie. Oh putain! J'ai reconnu la forme. On faut deux. Allez! Fais pas ta mijaurée. Ouais, je m'en fous. Fais pas ta mijaurée! Putain, le deuxième, il va être dans le truc. Allez, 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 dépêche, 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 j'ai plus beaucoup d'eau, j'ai plus beaucoup d'eau, j'ai plus beaucoup d'eau. Il me faut vraiment que je trouve un coffre avec une bouteille d'eau, comme j'en trouve habituellement, mais là, j'en trouve pas dans celui-là. C'est génial, merci le jeu. Allez, 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 oui, 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 je sais, je suis au courant, je suis au courant, je suis au courant. Allez. Je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je suis dessus, je suis dessus, je suis dessus, je suis dessus. T'inquiète. What? Ils ont pété mon CMOS? Vous êtes mort, vous avez perdu le matin. Oui, je suis au courant, merci, mais c'est pas le matin. Mon CMOS? Putain, il est là-bas. Pourquoi je le voyais plus? Pourquoi je le voyais plus, le CMOS, en fait? C'est ça qui m'inquiète, que je comprends pas pourquoi je ne le voyais plus. Ou alors je me suis planté de porte en sortant? C'est possible aussi, hein, c'est très 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 possible. On est où dans le temps, pour dire? Putain, oui, il doit être long cet épisode. Je vais au CMOS et je vous laisserai là, chers amis. Il doit durer pas loin de 40 minutes cet épisode. Total. Hop, allez, on y va. Crac. Ça va, vous êtes pas nombreux dans le coin. Non, non, je suis trop rapide pour toi, Simone. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Coco? Ah non, t'étais là. T'étais là, t'étais là. Oh putain, les portes se sont fermées. Putain, il se fait défoncer par contre. C'est fait défoncer. Ok, bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là. On va retourner dans ce vaisseau dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!